خاوتي اخواتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه في لايف دالجيري بار. بونسوار تو الموند, جيسبر راكم ملاح, جيسبر صحتكم راهي مليحه في وقت الكورونا والهم اللي راهو صاير في البلاد. اهلا وسهلا زول في اللون, مرحبا بكم. اليوم nous avons des sujets hyper importants sur lesquels nous devons absolument parler, pas mal de sujets hyper importants par rapport au conseil des ministres. اللي قلت لكم البارح باللي سي تونو اللي ما خلاش بكري ابارامون جوسكا 2 دو ماتان باش وجد لو كومينيكي فينال لي ديسيزيون ايكونوميك كي اون ايتي بريز. الهضره كبيره اليوم يا جماعه على بعض المواد من الملفات الاقتصاديه المهمه والمحوريه لمستقبل البلاد. اهلا وسهلا يا جماعه, صافي بليزير دو فو روتروفي كوم شاك سوار. والله ما رانا ملاح يا خويا فريد, والله ما رانا ملاح même il a joué hier. Je dois avouer que ça a bougé un peu. Je dois avouer que ça a bougé un peu. Le bel hajmaaf, le conseil des ministres leaders, ce n'est pas encore ce que le changement tant souhaité, ce n'est pas encore le changement rêvé, ce n'est pas encore la dynamique qui dans le besoin cruellement dans le pays a cruellement besoin. ولكن البارح شفنا نية شوية نية صراحة, يعني البارح في الكونسي دي مينيست تكلموا على المحاور الملفات الاقتصادية اونفان دايور الكونسي دي مينيست كي تي اكوردي او ديسيزيون ايكونوميك. يافي دي كونكري, يافي دي ديسيزيون, يافي دي ميزور, باسكو لا دانيير فوا لا ريونيون اللي داروها تاع لو لا رولونس دو برولو داروا ريونيون لا سمان دانيير سموها اون ريونيون كونساكري على بروجي دو رولونس سوسيو ايكونوميك. واحد لا ريونيون ما فيها والو, سطحيه سوبرفيسيال, اوكون ديسيزيون سيريوز. يهضروا على غير جبيلات على اميزور دي تريك كوم سا دي انفورماسيون كومبليتوم سوبرفيسيال. لا ريونيون تاع البارح اللي تي ميور جو بي ربي ما نبغيش اللي يسمعونا ولا اللي يشوفونا. En tout cas, ça fait, je crois que nous avons retrouvé quelques-unes de nos idées et je pense que la pression commence à payer. Ben là, ça l'a le bon conseil des ministres, il a ouvert les dossiers économiques qui étaient importants. Il a demandé des choses qui sont importantes. Les Kounahna, par exemple, une balle bouffée depuis des années. Enfin, depuis des années, non. Depuis de longues semaines, depuis le début de l'année notamment. Bon, le conseil des ministres à Dayajma, c'est notamment. Il y a eu une série de décisions économiques importantes. On va essayer de les analyser ensemble, de faire mon cher Nechossaré, les dessous de ces décisions-là. Est-ce que c'est des bonnes décisions? Est-ce qu'elles ont du sens? Ou je vois leur impact sur le futur proche du pays? D'abord, les décisions les plus importantes, on a notre bonne, enfin, Rahdel, une commission. Il a mis en place une commission, la commission de sauvegarde, ou Rahdel, la commission. Elle doit évaluer les dégâts économiques de la pandémie du coronavirus. C'est déjà un bon geste. Il y a une enfin mobilisé la pandémie a dit rien d'amassaïb économique ou massaïb économique. Il faut que nous parlions. Mais nous ne pouvons pas comprendre que la pandémie a dit qu'elle va avoir une dimension économique et une dimension financière très importante. Mais les neige pour la première fois. Donc, il y a une commission, la commission de sauvegarde pour évaluer les conséquences économiques sur la pandémie du Covid-19. Donc, à partir de la semaine prochaine, Gaouzara al-Hukuma, Nazimidino Takarir, ils doivent, dans tous les ministres du gouvernement, ils font des rapports. Les rapports à dos, ils doivent expliquer et dire quels ont été l'impact, quelles ont été les conséquences, quel a été l'impact de la pandémie du Covid-19 sur leur secteur. L'impact économique, je me rassais, elle m'a dit, ou l'ectisadia, l'équilibre, le Covid-19, puis me dit, c'est une bonne chose qu'il faut saluer. Tu vois, on n'est pas des radicaux. Nous sommes objectifs et de la critique constructive. Nous voulons que notre pays évolue, se développe, et que je me regarde à l'air faire. Quand il y a des bonnes choses, il faut le dire. Je connais notre objectif. Cette décision de mettre en place une commission de sauvegarde qui doit travailler dès la semaine prochaine, et chaque ministre doit présenter un rapport dès la semaine prochaine pour évaluer les premières les conséquences ou les dégâts de la pandémie du Covid-19
sur les secteurs, sur les différents secteurs du pays, حاجه مليحه. هذا الصفقة لها وحاجة مليحة en forme de Wisman. En forme de Wisman. صراحة, j'espère juste que les ministres du gouvernement vont faire ce travail. Parce que, au-delà de la question sanitaire, qui est importante, qui est vitale, parce qu'il s'agit de soigner des gens, de sauver des gens, de réparer les hôpitaux, de se préparer sur le plan de la santé. Bon, on a fait plusieurs émissions et plusieurs articles et plusieurs vidéos sur Algérie partout. On a démontré que la stratégie sanitaire de l'Algérie face au Covid-19, elle était nulle. C'est une stratégie qui n'était pas là, qui n'est pas à la hauteur. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Chef n'a les images des hôpitaux, pas de tests de dépistage, les masques, le point obligatoire est intervenu très en retard. Jusqu'à maintenant, les stocks des masques et leur disponibilité n'est pas garantie partout au travers le pays, etc., etc. La dépendance mauvaise vis-à-vis de la chloroquine, ferme dans la situation sanitaire et les erreurs stratégiques. Mais au-delà du secteur sanitaire, il y a le secteur économique. يجمع كي ملايين من الجزائريين راح يفقدوا العمل الخبز تاعهم يا دي مليون دارجينيت كي اونتي كلوشار ديزي يا سولت واحد 4 مليون دارجينيت على السيكتور انفورمال اللي ما خدموش لي مارشي انفورمال حبسوا كاع على جال المرض خليك من 50% دو سيكتور دو بريفي براتيكومون 7 مليون دو بيرسون سون امبلوي دون سيكتور بريفي 50% سوف ما خدموش الشركات ما عندهم باش يخلصوا Il y a des sociétés qui sont habsées, la trésorerie taham, elle est vide. Donc la dimension économique, elle est hyper importante. J'espère que les rapports à nous seront sérieux, mais que ne bouge pas. Mais quand tout va bien, alors que la situation est catastrophique, alors que vraiment la situation est catastrophique, qu'il y aura des mesures importantes, parce que nous, on ne peut pas sauver la situation sanitaire si on ne pense pas aussi à un plan de sauvetage de la situation économique. Même si les gens ont un match pour le Covid-19, ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades, 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 ils ne sont pas malades. Pour qu'ils vivent, pour qu'ils vivent leur vie, pour qu'ils vivent leur famille, pour qu'ils vivent leur karama, comment ils vivent leurs enfants, leurs familles, leur charaf, leur karama. Donc, c'est une dimension qui est importante. Mais nous ne pouvons pas refléter l'air. Donc, cette décision de la mise en place d'une commission de sauvegarde pour évaluer les dégâts économiques du coronavirus, elle est bonne. C'est une très bonne décision. Il y a eu des bonnes décisions aussi. Demander l'audit de Sonatrach, un audit profond à Sonatrach, que le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attal, doit remettre à la présidence. Quelles sont les dépenses qui sont superflues, les dépenses onéreuses. Quelles sont les postes où il faut économiser de l'argent. Comment améliorer la production. Comment réduire la facture des importations dans les carburants. Hadou, des orientations, hadou, ijabiyat. Donc, on doit continuer à faire la pression pour que celui qui est au pouvoir, on est obligé de que celui qui est au pouvoir doit absolument procéder à des changements. Maintenant, les orientations, peut-être qu'elles sont bonnes, mais elles sont encore incomplètes. Il faut encore faire beaucoup de choses. Parce que la réunion de l'Berech, c'est pour ça que Taoufiq a cadré pratiquement jusqu'à le communiqué final a été rédigé jusqu'à 2h du matin, parce qu'il y a eu des décisions très importantes. Qu'est-ce qu'il y a des annonces Il y a des annonces qui ne paraissent pas, qui paraissent vraiment irréalisables. Maintenant, comme un exemple, qui collecte bonnet à partir de 2021, je n'importe plus de carburant, c'est irréalisable. C'est irréalisable dans la situation actuelle. Tu ne peux pas d'ici 2021 ne pas importer du carburant. On a une facture de 1,5 milliard jusqu'à 2 milliards de dollars. Pour les dernières années, avant c'était jusqu'à 4 milliards de dollars. Maintenant, c'est jusqu'à 10 milliards de dollars. Maintenant, c'est jusqu'à 1,5 milliard. Tu peux la faire baisser jusqu'à 1 milliard de dollars. Mais tant qu'on n'a pas une industrie pétrochimique, le problème de l'Algérie, c'est qu'on fixe des objectifs. Mais on ne comprend pas que pour atteindre cet objectif, il faut mettre des mécanismes, il faut mettre des démarches, il faut mettre plusieurs étapes. Je ne peux pas n'importe plus de carburant. Si j'importe plus de carburant, comment satisfaire la demande nationale en carburant? Comment la satisfaire? Pour la satisfaire, c'est simple. Il faut qu'il y ait suffisamment de capacités de raffinage en Algérie. Quelles sont les capacités de raffinage en Algérie? Hadou les capacités de raffinage, les kent bled, les kent en Algérie, pour les améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement se doter d'une véritable industrie pétrochimique.
هذه الاندستري بيتروشيميك اللي نتكلمنا عليها دوبي دو لونغ موا. حنا قلنا ميت خطره فوندر دو بترول اون بروت نو سير ا ريان. لو رافيني هنا اون الجيري لو ترانسفورمي اون برودوي ديريفي qui sont utilisés ou là, qui sont hyper recherchés dans les industries, dans tous les secteurs industriels au monde, dans tous les secteurs industriels des marchés internationaux, là tu gagneras une valeur ajoutée. Pour ne plus pouvoir importer du carburant, on a donné plusieurs émissions, plusieurs articles dans lesquels le marché du carburant, il faut que non seulement construire une nouvelle raffinerie, c'est en cours, avec la raffinerie de Hassim Saoud, ils ont un projet pour une raffinerie à Tiered. Il faut surtout améliorer la gestion des raffineries actuelles. Maintenant, Augusta, le général de l'Italie, avec plus de 700 millions de dollars, mais ça finit à plus de 1 milliard de dollars jusqu'à aujourd'hui. Toutes les dépenses, le fonds de roulement, les frais de fonctionnement, l'achat de la matière première, etc. Les millions, on doit refaire une nouvelle stratégie de management. Il faut absolument, pour limiter la casse, pour limiter les dégâts, et pour pouvoir l'utiliser et l'intégrer au marché algérien, لازم حنا ان نوفو مانجمنت. لو نوفو مانجمنت لي زوبجيكتيف هادو باش نلحقو ليهم باش نقولو صراحه. باغ اكزومبل كونسي دي مينيس قال لك يفو اميليوري لا كاباسيتي ديكسبلواتاسيون دي جيزمو دو بيترول جوسكا 40%. واش معناتها باش تفهمو مليح بلي حنا لي جيزمو تاعنا اليوم لي جيزمو دو بيترول تاعنا قدم اون ا بو بري 300 بوي اون موين اون ا ا بو بري 300 بوي كو سون اتراك اكسبلوات ا ترافير لو تيريتوار ناسيونال 300 بوي. Hadou les 300 puits que son attaque exploite à travers le territoire national, notamment au niveau du grand du sud du pays, la capacité terna moyenne de chaque gisement, yani, moi qui m'a assez monsieur, on n'exploite que 28, 28,5 voire 30% de sa capacité. Alors, parce que les gisements, ils sont, ça fait des années qu'on exploite le pétrole, Donc le pétrole, il est. C'est pas une énergie qui est renouvelable, c'est une énergie qui est fossile, la déloula. Deuxièmement, on utilise des techniques et des équipements d'exploration et d'exploitation qui ne nous permettent pas d'aller au-delà. Pour 40%, il nous faut des nouvelles techniques. Le problème, c'est que un tel objectif, il faut réorganiser son attraque et changer son management. La nouvelle direction générale de son attraque qui s'est mise en place depuis février 2020, دارت اون بورد دارت اون بيتيز اللي سقامت لنا غاليه. واش داروا نهار في موا دافريل الغوفرنمون ولا لا بريزيدونس قالت لهم نقصوا لنا 50% دو فوتر بودجي. نقصنا 50% دبر راسك في دي زيكونومي. البلاد رانا دون اون كريز فينونسيير، انا في ازمه اقتصاديه، في ازمه ماليه، لازم تنقص لي بودجي تاعك. اوكي واش يدير لا نوفيل ديريكسيون، واش يدير لا ديريكسيون جينيرال تاع سوناتراك مع توفيق حكام الاكتوال بي دي جي؟ يروحوا ا بارتي دو مو دو مي ils vont arrêter 12 machines de forage. Je dis bien 12. Il y a une information dans un site d'information, il y a 34. Non, il n'y a jamais eu 34 de machines. Parce que son attaque a fait un communiqué, voilà, démenti, 34 machines de forage. Non, il n'y a pas eu 34 machines de forage. Il n'y a pas eu 24 machines de forage. Il y a eu juste exactement 12 machines de forage. Les machines de forage, je t'ai dit, en Algérie, on a son attaque. On a deux entreprises. On a l'entreprise nationale des forages, l'ENAFOR, ou on a l'entreprise nationale des travaux au puits, l'ENTP. L'entreprise nationale des travaux au puits, ou l'entreprise nationale des forages. On a l'ENAFOR et l'ENTP. Roma, c'est les deux filiales de son attraque, c'est le bras armé, c'est eux qu'on appelle, qui s'occupent du forage, de l'exploitation et de l'exploration du pétrole. Ou là, du gaz. Et Roma, les jupes du gaz, Roma, les jupes du pétrole, parce qu'ils ont tombé chez le BE, on pouvait l'exporter. Yani, les véritables soldats de l'industrie du pétrole et du gaz algérien, c'est les gens qui sont, il faut d'ailleurs leur rendre hommage, parce qu'ils travaillent dans des conditions hyper difficiles. Ils évoluent, ils travaillent dans les régions du grand sud du pays, dans des températures l'été qui dépassent les 55 degrés, des fois 60 degrés, dans des conditions qui risquent, où ils risquent leur sécurité. Ils redemandent vraiment avec beaucoup de sacrifices. C'est vrai qu'ils sont bien payés par rapport aux autres Algériens, mais c'est un travail qui nécessite vraiment beaucoup de sacrifices. Donc l'ENTP et l'ENAFOR. Les deux sociétés, les redemandent dans l'exploration et l'exploitation des gisements de pétrole, des gisements de gaz. Houma, Adna, 120 machines de forage. Donc les 120 machines de forage, nous redemandons bien pour exploiter, les 300 puits de pétrole, les Adna. Mais nous, les 120, des fois, ils
des fois ma yekfouch, on se retraite, et t'es obligé des fois de créer des machines à l'étranger pour t'aider avec eux. Hello, les machines de forage, c'est des machines qui sont hyper importantes, hyper stratégiques. Parce que bien, c'est le cœur de la production pétrolière, c'est le cœur de l'exploitation du pétrole. Donc, tu ne peux pas te permettre à l'aider de te faire. La direction générale de Sonatrach, le mois de mai, c'est 12. Chaque machine est générale, elle mobilise 300 employés, 300 travailleurs, que ce soit des travailleurs de l'ENTP ou des travailleurs de l'ENAFOR. Chaque machine, 300, multiplié par 12, ça fait pratiquement presque 500. Plus de 500, etc. Non, plus de 500, plus de 3000. Presque 5000, je veux dire. Presque 5000, 4000 et presque 5000 travailleurs. Nous garderons mon congé exceptionnel. On va avoir des nouvelles directives. C'est vrai, la présidence, quand on a un budget, quand on a un budget, on a un budget de la production du pétrole. On a touché, donc tu es tajer, tu es commerçant. On a les dépenses, parce qu'on a fait ESMA. On a un budget. ماشي تغلق البوتيكا تغلق 5 ايام في النهار تغلق 5 ايام ولا تغلق 3 ايام في السمانه وتقول لهم بلي هذا هو لا سول مانيير باش نقص لي ديبونس لازم تغلق البوتيكا ما تغلقش البوتيكا يا دوتر سيكتور و تو بو فير ديز ايكونومي يا دوت ديبارتمون و تو دو فير ديز ايكونومي سي اون ايتود سا سي اون ايتود انتر سا سابيل ان اوديت فير ان اوديت تو في لوديت دو لا سوسيتي تاعك و تقدر تعرف وين راهم لي dépenses nécessaires ou non, les dépenses supplémentaires là où je dois investir, là où je ne peux ne pas investir ou نقص. C'est comme ça. Mais si on a une hebba ou une hebba, il y a نقص les غلق les هذه غلق les هذه, ماشي بازار. هذه راهي شركة. وما واش دير انا نوفل ديريكتور تاع سوناتراك حبسوا لي زمان لي ماشين دو فوراج. في بالهم كي حبسوا لي ماشين دو فوراج ينقصوا دراهم. بصح كي حبس لي ماشين دو فوراج وصرا صرا ان امباكت ديريكت سو لا برودكسيون. طاحت لا برودكسيون تحت 740,000 au lieu de produire 800,000 820,000 barils de pétrole par jour on a produit moins de 740,000 il y a même des jours où on a produit moins de 700,000 barils par jour moins de 700,000 barils par jour c'est une moyenne qui est historique c'est une chute historique dans l'histoire du pétrole en Algérie mais il faut revenir aux premières années de l'indépendance pour retrouver des seuils de production c'est faible. Et on a fait déjà une émission là-dessus, je vous ai montré les schémas, et je vous ai montré même les courbes et toutes les cartes. Donc, elle est la mauvaise décision de son attraction. Tu as mobilisé ou l'a arrêté 12 machines de forage, elle a créé des conséquences désastreuses sur la production de son attraction, qui est le cœur de notre activité économique. C'est la seule revenu de, c'est la seule ressource de devise du pays. C'est l'exploitation du pétrole et son exportation avec celui avec celle du gaz. C'est une question de management. Donc on qui donne des objectifs à son attract qui va être la délire des objectifs, l'objectif tag, t'enlèves aller faire le puits jusqu'à 40% ou t'enlèves les importations de carburant. T'as l'actuel PDG ou l'actuelle direction générale, t'as pas de hacker ou t'as pas de la production. وحبست الخدامين وحبست لي ماشين دو فوراج وراه يتاق والبيرون فينونسي تاعها متقوم وكيفاش تو بو لوي دوني دوطرو زوبجيكتيف كان كان نو بو با اتاندر بويسكال فونكسيون سولو ان مود دو ماناجمنت كي موفي كي مالسان اي كي رونجي بان انكومبيتونس الخميس اللي فاتت هذا راح نحكوا عليه نعطيكم لو سكوب على لا فاي enfin la veille de ce qu'on va publier demain sur Algérie Park, il y a une réunion du ministère de l'énergie. Ma Abdelmajid Attal, le nouveau ministre, déjà le PDG de Sonatrach, Toufir Hakkar, m'a dit la réunion a dit, m'a dit le vice-président chargé de l'exploration et de l'exploitation. Yani m'a dit normalement le manager qui s'occupe, qui a tout le bilan, qui a tous les détails, toutes les informations sur le secteur de la production. Alors qu'on s'en attaque, c'est plusieurs vice-présidents, c'est plusieurs secteurs, c'est Ada, 8 vice-présidents, 8 départements. Le département le plus important est l'amont. L'amont, c'est l'exploration et l'exploitation. Les Hakmons Mohamed Slimani, Ada. D'ailleurs, depuis le 30 mars, Toufir Hakkar Djerbou. Toufir Hakkar, parce qu'il khaf l'Attar, Abdelmajid Attar, c'est un ancien du domaine, mais je suis Mohamed Arkab. L'ancien ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, il arrange le pétrole, c'est un électricien. Mais la belouche qui va se faire une dawa. Comme c'est un électricien, mais il arrange.
خاطيه مسكين دونك يعطل لاصحاب سوناطرا كيبعدوه كيما يحبوا باسكو ما يعرفوهش. مالوروزمون المره هذه طاحوا في يد عبد المجيد عطار. عبد المجيد عطار كي جابوه كي جا كي توفيق حكار كان خايف منه مش ما يتبادلش مع النوفو مينيس وما يفيقلوش باللي هو فرشه وما يعرفوا له في الدومين. ما جابش مع محمد سليماني راح جاب دوطرو ديريكتور كي نو رينا بار مع لا برودكسيون اي بورتون لا ريونيون جو دي باسي سيت اون ريونيون تكنيك كي ايتي كونساكري او بروسيسوس ا لا سيتوياسيون اكتويل دو لا برودكسيون لا سيتوياسيون اكتويل دو لا برودكسيون دو بترول اون ارجيل. يعني نورمالمون لو برومي كونسيرني سي محمد سليماني. توفيق حكاي راح يجيب له دوطرو بيرسون دوطرو فيس بريزيدون ما يجيبلوش لو برينسيبال كونسيرني. وعلا باش ما يتبهدلش معاه باش ما يفيقش باللي السيد راهو ما كان والو ني ميتيز ريان دو تو كابابل باش ما يقولوا له ولا يبهدل ولا عبد المجيد عطار يبهدلهم ويسكو يقول لهم سكتوا عليا. دونك دون لا سيتوياسيون اكتويل يا تبون لي زوبجيكتيف كو تو ان تران دو فيكسي بور سون ادراك اون نو بو با لي اتاندر اون نو بو با لي اتاندر سي با بوسيبل باسكو كو طون كون شونج با لو مانجمنت دو لا كومباني طون كون شونج با لا ميثود دو لافيك لاكيل ترافاي لو سيكتور دي هيدروكاربور on n'arrivera pas à atteindre tous ces objectifs. On n'arrivera pas. Bien sûr, hier, le Conseil des ministres, ils n'ont pas parlé que du secteur de l'énergie. Ils ont parlé de d'autres secteurs. Remarque quand même importante, vous avez une émission, vous avez une vision, enfin, l'actuel pouvoir algérien a une vision. La vision de l'actuel pouvoir algérien, c'est de miser sur les mines. De développer les mines. D'ailleurs, ils ont demandé une nouvelle carte de géologique des potentialités minières du pays, des richesses minières du pays, une étude sérieuse et concrète des richesses minières du pays pour savoir où est-ce qu'on peut comment on peut les exploiter. Donc, l'actuel pouvoir, il veut se débarrasser du pétrole et du gaz parce que les exportations du pétrole et de gaz ne vont pas ramener au-delà de 18 milliards de dollars. La fiscalité pétrolière, c'est-à-dire les impôts, les recettes fiscales qui vont rentrer directement dans les caisses de l'État algérien, ils ne vont pas dépasser 10 milliards de dollars, ce qui est vraiment ridicule et dérisoire et ce n'est pas beaucoup. Il faut qu'on s'intéresse aux mines. Les mines, le phosphate, le fer, ils ont même parlé des terres rares. Les terres rares, je vais vous donner une émission spéciale parce que mon rôle est mohim. خرجت معلومة في 2015 les terres rares, c'est un groupe de métaux, on appelle c'est des métaux précieux qu'on retrouve dans les écrans de télévision LED, qu'on retrouve dans les smartphones, qu'on retrouve dans tout ce qui est industrie la nanotechnologie, la nouvelle industrie électroménager, les nouvelles innovations électroniques. Hadou, c'est des métaux très précieux qui sont recherchés dans le monde entier et qui font l'objet d'une véritable guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et l'Europe, parce que celui qui a le monopole sur ces terres rares, il a le monopole sur la puissance technologique. Il a le monopole de la future croissance économique. Alors les terres rares, pour le moment, le marché mondial, c'est 4 milliards de dollars depuis 2016. Mais ça coule à l'Isid, 1 milliard 300, 1 milliard et demi de dollars. Il y a l'Isid parce que les nouvelles les industries, les nouveaux smartphones, les nouveaux écrans, les nouvelles tablettes, etc. Tout ce qui est nouveaux bijoux de la technologie mobile, etc. C'est en pleine expansion. Maintenant, je ne vais pas les détails parce qu'on va vous consacrer une émission avec des photos, avec des dossiers, avec des schémas, etc. explicatifs. Ce qui attire l'attention du Conseil des ministres, les derrière, et c'est l'objectif de l'Hadra Ali Tebboun. Tebboun, il a donné comme objectif que le Klezm Nakso, maintenant 20 milliards de dollars, maintenant la fin de l'année. Enfin, la fin de l'année 2020, naturellement. 20 milliards de dollars. Il y a un assabou, les décisions de l'Hadra Ali Tebboun, le Conseil des ministres, Nakso, 20 milliards de dollars. Un mouchkil qui dit, mais je m'en ai dit, 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 حنا قلنا الحوايج المليح اللي نديرو في لا بروميير مون. يعني قلنا بلي في لا ريونيون ياو دي بون ديسيزيون قلناهم. حنا باش ما نكونوش دي بوبوليست، باش ما نكونوش يعني شعبويه، في دوش شعبويه
كتكون حاجه مليحه نقولوها، كتكون حاجه ماشي مليحه نقولوها، كتكون حاجه مليحه بصح مخصوصه نقولوها. مالوروزمون يفو دير لا فيريتي، لوبجيكتيف تاع ايكونوميزي 20 مليار دو دولار اني امبوسيبل اتان بور لاشي. وعلاش؟ لازم تعرفوا بلي 20 مليار دو دولار سي دي ايكونومي. واش هو واش يقول تبون وجمعته؟ يعني تبون وجمعته يعني تبون والحكومه تاعو قال لك نقصوا 20 مليار دو دولار او ريدويزون لي امبورطاسيون الاولى اي او ريدويزون لي ديبونس او راسيوناليزون لي ديبونس كيما لي ديبونس ناسيونال لي ديبونس دو ليتا لي ديبونس دو غوفرنمون. حنا شفنا دوبوي لو مو دافريل كاع لي زونجاجمون لي داهم تبون نون با بو اتر اونوري. لي 50% دو بيس du budget du fonctionnement n'a pas été possible. Ils n'ont rien réduit, ils ont réduit à peine 5 milliards alors que le budget de fonctionnement fait plus de 40 milliards. Wallace, mais ils ne peuvent pas le réduire, ça a amené dans une émission parce que le budget de fonctionnement Wahdou déjà 20, plus de 25 milliards de dollars, c'est pratiquement gars les salaires des fonctionnaires de la fonction publique algérienne, les presque 3 millions fonctionnaires algériens. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Très regarde YouTube pour les émissions d'Algérie Part, qu'on a consacré à ce sujet. Les émissions sont là sur Facebook, sur YouTube, sur le site d'Algérie Part. Maintenant, est-ce que l'on a cadré Sahna Nakso 20 milliards de dollars? Est-ce que l'on a cadré? Et je mets à l'aise, déjà, ce n'est pas la première fois que le régime algérien prend des engagements. En avril 2017, Sellel à l'époque, Abdelmalek Sellel qui est le raïs de la Hukouma, il a dit que nous نقصوا les importations de 30 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'en 2014, l'Algérie est dans l'Azma Maliya. L'Algérie est dans l'Azma Maliya. L'Azma Maliya 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 est dans Parce qu'en 2014, il y a eu le choc pétrolier, où les prix de pétrole, tahou, ils ont baissé de plus de 40%, au tahou, t'as 60 dollars. Alors que le baril de pétrole en 2008-2009, il dépassait les 100 dollars, en 2014, le baril de pétrole, t'as 60 dollars. Allez, t'as 60 dollars, parce qu'il y a eu le pétrole de schiste américain qui a commencé à envahir le marché mondial, les États-Unis. Après le gaz de schiste, ils font le pétrole de schiste. Les nouvelles technologies américaines ont rendu possible, ils ont permis l'exploitation rapide et efficace des gisements de pétrole. Mais c'est du pétrole de schiste. Avec le pétrole de schiste, ils ont arrivé non seulement à satisfaire la production nationale, mais aussi à pouvoir l'exporter. Vous voyez, les États-Unis, depuis pratiquement 2017-2018, elles dépassent la production pétrolière des États-Unis grâce au pétrole de schiste. Elle dépasse celle de la Russie et elle est en train de dépasser celle de l'Arabie Saoudite. Et les États-Unis s'imposent pratiquement comme le premier producteur au monde. Du coup, les prix tahou. Les Américains relèvent les pays pétroliers. Au moins, ils relèvent les prix du pétrole. Pour les Américains, c'est un atout politique avec lequel ils ont provoqué la chute. Ils ont augmenté la production du pétrole de schiste. Ils ont augmenté les exportations du pétrole de schiste. Pour étouffer l'Iran, parce qu'il y a une guerre baride avec l'Iran, et pour casser Poutine, à l'époque il y avait une guerre froide entre l'administration d'Obama et celle de Poutine, à cause de la crise ukrainienne. Donc, il y a une guerre économique très grande. Nous, on a gagné des pays petits, on a gagné des glaces. Du coup, le budget de l'Algérie est tombé. En 2014, on a gagné des économies économiques. En 2017, le gouvernement de Sellel a gagné les importations de 30 milliards de dollars. Ce chiffre à 30 milliards de dollars, on n'a jamais pu réellement importer que 30 milliards de dollars. La preuve, fait 2018, l'Arcad a facturé les importations à 46 milliards de dollars. Au fait 2019, kif, l'Arcad 40 milliards de dollars, on a dépassé même les 40 milliards de dollars. Wallah. Parce que je ce n'est pas en réduisant les dépenses ou là en réduisant les budgets que tu fais des économies. Tu fais des économies quand tu arrives à produire localement ce que tu es en train d'importer à l'étranger. Tu arrives à diminuer les dépenses et à économiser ton argent. Économiser, c'est pas le dinar, il faut économiser les devises. Parce qu'on consomme en dinar, mais on vend notre pétrole en dollars et on achète en euros et en dollars aussi. Mais on achète essentiellement en euros parce que c'est les pays européens qui sont les plus proches de nous, avec la Chine. Également parce que la Chine c'est le premier partenaire commercial.
انت باش 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 تنقص لا فاكتور دي زامبورطاسيون لازم واش واش سكو تي ان تران دامبورتي تي دوا لو تروفي هنا ان الجيري. Donc ce n'est pas la réduction des dépenses qui garantit la baisse de la facture des importations. C'est la production locale. Or en Algérie, on ne sait pas ce que c'est que produire localement. C'est le problème. Je vais comme un exemple. Par rapport à Berek, par exemple. Nous l'industrie, le marché des médicaments. Berek, le conseil des ministres, nous allons... على حساب لطفي بن بحمد لطفي بن بحمد اللي كان مينيست ديليغي شارجي دانيستري فارماسيوتيك ولا عطاو له بروموسيون اللي طلع ولي ولا مينيستر كاريمون دو لاندستري فارماسيوتيك يعني دار وعد التبون لا دوني بروميس مكتوبه في كونسي دي مينيستر دون دوكيمون فينال يقول باللي نو زالون ريدوير نوتر فاكتور دامبورطاسيون دي ميديكامون دو 1 مليار دو دولار معناتها 1 مليار دو دولار دو ميديكامون نو نالون با لي ديبونسي اون فا بلو امبورتي au-delà de 1 milliard de dollars. Malinesh. Lazem na'rfou wesh ma'a belli hnaya la facture d'importation ta'na ta li médicaments elle est de l'équivalent de 2 milliards de dollars chaque année. De 2 milliards de dollars chaque année. Le cas de naqas 1 milliard de dollars ma'nata tu dois importer que 1 milliard de dollars fi l'am. Hna el mushkil pour ne pas importer des médicaments الجزائري ما تقدرش تقول له ما داويش لازم الميديكامون كي ني با امبورتي دو تاتخو تروفي سور بلاس حنايا عندنا لاندستري فارماسيوتيك تاعنا ابان 40% ابان 40% دو بوزوان دو مارشي ناسيونال سون ساتيسفي افيك لي فابريكون لوكو يعني لا برودكسيون ناسيونال فارماسيوتيك نو بو ساتيسفير كونتر 35 et 40% du marché des besoins des Algériens. Au-delà des 60% des autres besoins, il faut importer des médicaments. Donc, au lieu d'importer 2 milliards de dollars, il faut 1 milliard de dollars, le minimum la production pharmaceutique nationale, elle doit satisfaire minimum 60 ou 70%. C'est l'objectif de l'Algérie qui produit 70% de ces médicaments qu'elle consomme. L'Algérie qui produit 70% des médicaments qu'elle consomme. C'est un vieux objectif. Des anciens objectifs, depuis 2014-2015, la production pharmaceutique jusqu'à 70% des besoins du pays. On n'a jamais atteint cet objectif. Parce que la production nationale pharmaceutique, elle est faible. Elle est faible. Ça, c'est un bon sujet. Par exemple, nous sommes en pleine crise sanitaire du Covid-19. On a la production nationale. On a 5 producteurs qui déroulent les masques. Quand on a 4, on entre le 5e, il faut mordre. 5 producteurs de masques. Alors que le Maroc voisin, il a une trentaine, voire une quarantaine de producteurs de masques. Au moment où le Maroc il a exporté 8 millions de masques exportés, il a donné gratuitement 8 millions de masques aux pays de l'Afrique subsaharienne. On était en train de négocier mais les Chinois mais j'ai vu on a ou on a des dons les Turcs ou les Chinois ils battent tellement la production locale elle est la production locale elle est de 2 millions de masques par mois. C'est nul, c'est complètement nul. 2 millions de masques où je débéra mais avec mes débéra 2 millions de masques par mois خرطي كي نطلعوا on peut aller jusqu'à 3 millions de masques, ce qui est très très peu. Donc la production locale pharmaceutique n'est pas. Saïdal ou Naïch, je ne sais pas. La chloroquine, on a un seul laboratoire privé dans l'usine Théo, le siège Théo avec Bourget Bahri, ou l'usine Théo, Jeff Nkhdaria. Ce n'est même pas Saïdal qui le fait, c'est le laboratoire à la privé, l'usine Théo, Jeff Nkhdaria, là où il est de Buer. Le tissu industriel pharmaceutique algérien, il est faible. Il est faible, il n'a pas réussi à émerger. On a quelques laboratoires privés, mais Biopharm, Pharmalliance, quelques noms qui ont émergé, mais Malabelish, Kindi ou Malabelish, quelques noms qui ont émergé comme ça. Mais ce n'est pas satisfaisant pour un pays de 44 millions d'habitants. Voilà, ce n'est pas satisfaisant. Parce que maintenant, c'est une bonne stratégie industrielle. Nous, les fabricants algériens, ils sont génériques. Ils ne sont pas connectés à la recherche scientifique. Mais nous, les médicaments, on les crée pas. Nous, les fabricants, ils vont le kharaj, ils ont les licences, ils font avec un fabricant mondial. Il dit aller à la licence, il y a des génériques pour Zaire. Or, ce n'est pas ça qui va booster la production locale ou l'industrie pharmaceutique. Les Jordaniens,
Par exemple, ils se sont développés, ils se sont dotés d'une véritable industrie pharmaceutique qui est parmi les plus prospères du Moyen-Orient. Qui veux-je dire? En accent sur la recherche scientifique, ils redoublent leurs propres médicaments, ils essayent d'inventer leurs propres recettes, ils essayent d'innover, de trouver leurs propres médicaments. Tant que tu n'inventes pas tes propres médicaments, mais tu es pas générique, mais tu ne jaches. Mais tu ne jaches, je m'en. Donc, l'objectif d'un accent d'un milliard de dollars, il n'est pas possible pour le moment. Il n'est pas possible. On a les blouses médicales ou les gants à n'importe où. Comment tu vas réduire d'un milliard de dollars la facture des importations d'un médicament? Pour revenir à l'objectif, tu as les 20 milliards de dollars. C'est beau. Minimum les 20 milliards de dollars. La principale dépense, c'est la facture alimentaire. Chaque année, on importe entre 8 à 9 milliards de dollars de produits alimentaires. Le cas n'est les 9 ou 8 milliards de dollars de produits alimentaires, le cas n'est Bessah, kif, c'est un vieux objectif, ça fait des années, nous sommes 13%, nous sommes 30%, on n'a jamais pu réduire au-delà de 20% la facture des produits alimentaires. Alèche. Et je vais vous oublier la facture des produits alimentaires, par exemple, sur les 9 premiers mois de l'année 2019, la a dépassé les 6,6 milliards de dollars, elle grimpe 7 milliards de dollars, fait ça à Il y a 12 chars, faites les 7 milliards de dollars, goul 8 milliards de dollars. La facture elle est dominée à 34% par les céréales. C'est-à-dire les importations de les blés, le blé, la semoule et la farine. Tant qu'on n'arrive pas à développer une production nationale, on n'arrivera jamais à réduire cet impôt. Par rapport, par exemple, en 2019, c'est la facture de 12% bac. Mais on ne peut pas aller au-delà parce que nous ne produisons pas les céréales dans notre pays. On n'arrive pas à les produire. Là, on produit du plus dur alors qu'on consomme le blé tendre. Là, toute la culture céréalière en Algérie, il faut la changer. Il faut carrément il faut carrément remettre en cause le fonctionnement de l'agriculture algérienne. Kif, les importations de halib, elles ont diminué. En 2019, elles ont diminué de 11%. Mais reste, nous avons importé plus de 1 milliard et demi de dollars de lait. Pour réduire cet argent. Je vais faire des économies. On va faire des économies. Les Algériens, les enfants algériens, tout le peuple algérien, mais cherche halib. Donc, on n'a pas une production locale, Yajma. On n'a pas une production locale. Par exemple, les animaux vivants, nos importations des animaux vivants ont augmenté de plus de 67%. L'amnifet, par exemple, nos importations des fruits comestibles, ce soit des fruits secs ou des fruits frais, elles ont augmenté de plus de 72%. Tout ça, Yajma, n'est une production locale. Tant que le flèche algérien ne cache, autant qu'on a l'industrie nationale, mais je t'aime. Mais je ne sais pas si c'est ça, les gens. Et c'est ça l'équation en Algérie. C'est ça l'équation économique. On ne peut pas aujourd'hui faire des annonces. Je ne sais pas si c'est le conseil des ministres. Je ne sais pas si c'est le conseil ونقول لهم يا جماعه راح نقصوا 1 مليار دو دولار وراح نقصوا 20 مليار دو دولار هادو لي 20 مليار دو دولار منين نجيبهم كي تنقصهم منين نجيبهم اذا ما عندكش فلاحه مليحه واذا ما عندكش زراعه مليحه واذا ما عندكش اقتصاد صناعه وطنيه وصناعه جزائريه ما تقدرش تنقص لي 20 مليار دو دولار réellement pour réduire nos dépenses et pour réduire nos importations il faut se doter d'une véritable stratégie industrielle dès maintenant من عاد نقولوا كيما سوجي تاع سونطرا الفلاحه باش تنجح L'industrie pharmaceutique peut changer. Il faut un bon management. Il faut une véritable stratégie. Il faut identifier des segments, identifier des créneaux. Quand nous ne pouvons dire un affaire blindé, les gens ne peuvent pas dire un affaire blindé. Pourtant, je dis générique comme tout le monde, comme fait l'Inde,
comme fait le Philippines, la Thaïlande, comme fait le Maroc, comme le fait tout le monde. Non, il faut que tu identifies des secteurs, des créneaux, des projets, des chantiers où une tête des hommes, où tu peux toi avoir le savoir-faire, où toi tu peux avoir de la valeur ajoutée. Si tu peux apporter de la valeur ajoutée et tu peux apporter de la différence, un être de khadram, un être de sah, oui, on peut arriver à économiser de l'argent. Mais mis à part ça, la question de la stratégie économique, les émanent mille fois. Il nous faut un ministère du plan. Michel donne plusieurs fois, on a un secrétariat d'État, de la planification, un ministère du plan. Wizard Tachtet, qui est en France avant la Deuxième Guerre mondiale, en France, c'est le commissariat du plan. Le commissariat du plan, c'est la France stratégie. C'est le commissariat du plan, qui est en France avant la Deuxième Guerre mondiale. Le commissaire, ou le commissariat général du plan. Elle a existé jusqu'à 2006 en France. 1946 jusqu'à 2006. هي اللي دارت لي نوفو بلان دو ديفلوبمون دو لا فرانس كيفاش تعاود تبني بلاد كيفاش تعاود تخل كيفاش تعاود تزقم البلاد كيفاش تنقص الخسائر الماليه كيفاش تعاود تبني الاقتصاد الفرنسي حنا لازمنا كوميساريا جينيرال دو بلان سونز ان كوميساريا جينيرال دو بلان ما نقدروش نروحو باسكو تتمد لي دي زوبجيكتيف بصح كيفاش تروح لوبجيكتيف هذا كاين لا تاكتيك كاين لا تكنيك كاين لو مويان لو بلو رابيد لو بلو افيكاس كي تو بيرميت داتان سيت اوبجيكتيف. Aujourd'hui, faire de l'industrie ne veut rien dire. Quel type d'industrie tu veux privilégier? Faire de l'agriculture intensive ne veut rien dire. Quel type d'agriculture tu veux privilégier? L'absence de planification. Les intentions sincères ne suffisent pas. Il faut réellement des plans et une planification très précise et intelligente et adaptée aux besoins du pays, mais aussi adapté aux nouvelles conjonctures mondiales et aux données internationales. Et comme ça, je vous remercie. J'espère que vous avez été là. J'espère que vous avez été là. Maintenant, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour d'autres lives. On parle comme Kawa l'Akhir, c'était un sujet important sur lequel il fallait absolument qu'on parle. Réfléchissez avec nous. Si vous avez des propositions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à nous les faire envoyer. Like on fait un commentaire. Et rappelez-vous, nous sommes une force de proposition positive. Nous voulons être une force de dynamique, une force de changement et pas une force de régression. Comme ça, on fait un commentaire.